que l'on voit ici qui va s'élancer complètement dehors, puisqu'on le sait, sa mise en jambe est parfois délicate. Et puis à ses côtés, sur sa gauche, Jackpot d'Etuya, le favori, avec Xavier Beauvais. Alors il donne quelques petits coups de tête, joke de la fenêtre, la voiture accélère. J'adore céder à nouveau au galop. J'adore céder qui perd le plus clair de ses chances. Joke de la fenêtre qui assure. Jackpot d'Etuya également. Avairo a pris un bon départ avec Jazz du Martza. Aydera, Igor Van Joma également qui se retrouve aux avant-postes. Marc-André Beauvais qui doit vraiment pianoter hein, avec Joke de la fenêtre. Il se retrouve là-bas en net retrait pour aborder le premier tournant. Avec Avairo le numéro 5 qui passe en tête devant Igor Van Joma. Avec en troisième position Jazz du Martza. Un peu plus loin, nous retrouvons également le numéro 1 Aydera. Alors que le favori Jackpot d'Etuya se retrouve pour l'instant cœur du peloton avec Joke de la fenêtre hein, de par son numéro 8 en dehors qui doit assurer un peu le coup, qui se retrouve parmi les derniers. John Di Martza n'est pas parti très vite aujourd'hui, il se retrouve à l'arrière-garde en compagnie encore du numéro 9, Histoire du Copy. Ils viennent de sortir du tournant et abordent maintenant la ligne droite des tribunes avec le numéro 2, évidemment J'adore céder qui a été disqualifié. Avairo avec Daniel Grutter qui a l'avantage, avec en deuxième position Igor Van Joma. Le long de la corde, nous retrouvons Jazz Di Martza qui est accompagné par Hyperclass le numéro 12 avec 100% également qui est en dedans. Un peu plus loin, trotte également Aydera, numéro 1, qui se rapproche maintenant à l'extérieur, qui a pu s'extirper du peloton. Ula Palou se retrouve dans le siège des premiers. Pas mal d'outsiders hein, qui se retrouvent aux avant-postes. Un peu plus en retrait, trotte Jackpot d'Etuya, qui est au milieu du paquet, avec Joke de la fenêtre qui est dans son dos, alors que John Di Martza est plus loin. Devant encore, notamment, Hey Soul Sister et le numéro 10, Yamos Duval. Bientôt le début de la ligne opposée sous l'impulsion de Igor Van Joma avec Joey Vignoni, avec le numéro 1 Aydera qui est à ses côtés, le 12 Hyperclass est 3ème, suivi encore par Ula Palou. C'est très compliqué pour Avairo le numéro 5 hein, qui comme on le dit dans le jargon est en train de prendre un mur et il s'arrête littéralement, ce qui n'arrange pas évidemment les affaires notamment de John Di Martza qui était dans son dos et devant évidemment ils n'attendent pas hein, avec Igor Van Joma qui a seul les meilleurs, avec légèrement à son extérieur Aydera, le numéro 12 Hyperclass est 3ème, Jackpot d'Etuya le favori a pu faire mouvement et bien maintenant quatrième avec le long de la corde également la présence de Ula Palou alors que le numéro 8 Joke de la fenêtre se retrouve plus loin. Bout de la ligne opposée avec Igor Van Joma qui a toujours les meilleurs. Devant Aydera en troisième position, Hyperclass. Devant Ula Palou qui est à la corde. Jackpot d'Etuya, le favori, est venu quatrième maintenant. Plus loin, trotte notamment 100%. Joke de la fenêtre hein, qui a du mal à accélérer. Et John Di Martza également qui est en retrait. Ça va bien pour le numéro 4, Igor Van Joma, à moins de 500 mètres de l'arrivée. Avec en deuxième position Aydera, Hyperclass est là. Jackpot d'Etuya qui tente de s'accrocher. Quatrième, les autres ont du mal à revenir. Entrée de la dernière ligne droite avec Igor Van Joma qui a toujours les meilleurs, avec à l'extérieur Jackpot d'Etuya qui est lancé par Xavier Beauvais. Hyperclass qui est là au centre, devant le numéro 1 Aydera qui ne lâche rien. 100% Ula Palou qui sont en léger retrait. La ligne droite avec Igor Van Joma dépassé maintenant par Hyperclass. Hyperclass qui tente de prendre l'avantage avec Raphaël Frenot face à Igor Van Joma, avec Aydera qui est en troisième position et Jackpot d'Etuya qui est quatrième. Victoire de Hyperclass le numéro 12 avec Raphaël Frenot. La deuxième place pour le 4 Igor Van Joma. La Aydera termine 3ème et la quatrième place en dedans certainement pour 100% le numéro 11 devant un décevant Jackpot d'Etuya qui doit se contenter de la cinquième place. Voilà, 12, 4, As et 11 devant le 7. C'est l'arrivée chiffrée de cette épreuve avec la victoire d'Hyperclass. Raphaël Frenot qui s'impose ici au dépens de Igor Van Joma qui une nouvelle fois fournit sa valeur. Aydera numéro 1 avec Nicole Schneider termine 3ème. La 4ème place pour 100% avec Michel Huber. Et la 5ème pour le favori, le numéro 7, Jackpot d'Etuya. Hyperclass qui était ferré aujourd'hui, qui était absente depuis le début du mois de mars et qui en profite ici pour effectuer une réapparition victorieuse. On nous annonce une enquête notamment sur les allures du numéro 7 Jackpot d'Etuya, arrivé 5ème. Voilà donc pour l'arrivée de cette compétition avec la victoire donc du numéro 12 Hyperclass avec Raphaël Frenot. On se retrouvera dans une vingtaine de minutes pour la 3ème. A tout à l'heure.